À présent, il y a un arbre qui est là aussi, tout aussi étonnant. Hein, c'est un arbre qu'on trouve maintenant assez fréquemment dans toute l'Afrique intertropicale, hein, surtout en zone de savane. Il s'agit du Azadirachta indica, ou encore le Nîmes, hein, qui est un arbre en fait originaire de l'Inde. Hein, et en général, bon, nous avons un jeune pied là, mais en général, sa hauteur va varier de, disons, 4 jusqu'à 15 mètres de haut, mais ça peut atteindre des hauteurs beaucoup plus grandes, jusqu'à 25 mètres, hein, on a vu, des grands pieds. C'est un arbre qui est presque toujours à une frondaison verdâtre, c'est-à-dire que les feuilles ne sont pas caduques, ça persiste, ça résiste très bien à la sécheresse, et ça peut passer toute la saison sèche, il y a les feuilles, donc c'est un excellent arbre d'ombrage. En plus, ça fructifie abondamment, beaucoup de fruits, et donc ça se reproduit assez spontanément. C'est ce genre d'arbre que lorsqu'on plante, on est assez tranquille finalement. Il ne demande pas trop d'eau, il ne demande pas un sol trop riche. Il a un feuillage qui est toujours là pour vous protéger contre le soleil. Et donc cet arbre est devant nous là, et on va regarder son tronc. Celui-là est relativement vieux, mais on peut voir qu'il est assez écaillé. Hein. Hein, il y a des écailles hein, que l'on peut enlever même. Et les écailles sont d'une couleur, disons, on va dire, assez noirâtre. Hein, sur un fond marron, un peu plus clair, hein, que l'on voit là. Alors, le bois qui est dedans est un bois excellent pour les constructions, parce que tout dans le Nîmes est très amer. Ce qui fait que son bois résiste très bien aux termites. Ce n'est pas attaqué du tout par les termites à cause de cette amertume-là, justement. Et ce qui en fait que si on a une large plantation de ça, on peut utiliser le bois, notamment au niveau du village, pour faire des constructions assez solides qui peuvent résister très, très longtemps. On a souvent dit de nos constructions, on peut voir là-bas, par exemple, dans ce village, que nos constructions sont dans des matériaux très éphémères qui ne résistent pas parce que c'est en terre. Et souvent le toit est en paille, et donc les constructions qui vont avec le temps se détériorer et vont disparaître. Ça a été souvent le problème évoqué pour l'Afrique, ce qui fait que la mémoire de nos constructions en termes de génie civil est souvent absente. Or, quand on regarde d'autres continents, on peut trouver des constructions qui datent de plusieurs siècles, et donc qui sont des endroits aujourd'hui où les pays vont tirer beaucoup de devises à cause du tourisme abondant, parce que les constructions sont un témoin clé de l'histoire. Hein, et donc, on doit choisir avec soin les matériaux qui rentrent dans ces constructions-là. Et pour trouver ces matériaux, il faut les avoir dans l'environnement, bien sûr, ce qui montre bien l'importance de préserver le Nîmes, ou encore Azadirachta indica, dans notre environnement. Pour décrire les feuilles, je vais descendre un peu ce rameau. On voit les feuilles hein, qui sont d'une couleur vert foncé dans la partie supérieure. Quand on regarde les folioles là, les foliolules on va dire, hein, c'est un peu vert clair en bas, c'est-à-dire la face qui regarde le sol, et vert foncé sur la face supérieure. Mais regardons d'abord la feuille elle-même. Il s'agit d'une feuille composée. Hein. Bon, on va prendre une feuille qui est pleinement développée. Il s'agit d'une feuille composée, là, on peut voir. Une feuille composée, bon, celle-là a deux folioles à l'extrémité, ou deux folioles. C'est cette partie-là, l'ensemble, qui est appelée foliole. Maintenant, ça, c'est des foliolules. Mais on peut voir là que la feuille est composée. Là, ça se termine par une paire de folioles. Mais quand on regarde, on trouve aussi des feuilles hein, qui se terminent, je ne sais pas si on peut en voir ici. Tout ce qu'on voit là, c'est composé, on va dire, voilà, il y a cet exemple. Parce que dans la littérature, on avançait que les feuilles sont composées imparipinnées. C'est-à-dire qu'on trouve une seule foliolule à l'extrémité. Quand on regarde dans les détails, on voit quand même qu'il y a effectivement une seule foliole à l'extrémité, même si parfois c'est très petit. On regarde là, par exemple. Donc, c'est des feuilles composées imparipinnées. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des dimensions ? Disons, le pétiole, d'abord, il est relativement long. Là, c'est un pétiole de, disons, celui-là, il va jusqu'à, disons, environ 7 cm. Cette feuille est tombée, on va prendre celle-là. Jusqu'à 7 cm de pétiole. Bon, je vais découvrir
plus, de façon plus visible. Hein. Donc, le pétiole ici, c'est celui-là même, c'est ouais, jusqu'à 7 cm et demi avant l'apparition de la première foliolule. Et donc, la partie où commencent les folioles, ou les foliolules, c'est d'environ 16 cm ici, et la largeur de la feuille, de l'extrémité de foliolule à l'extrémité de foliolule, on peut voir ici, jusqu'à, disons, alors les feuilles cachent un tout petit peu, je vais remonter ça, hein, jusqu'à combien? Là, jusqu'à environ 10 cm, hein, 10 cm, même 11 cm d'extrémité à extrémité. Alors, ces foliolules sont assez, la forme est assez remarquable, parce qu'en bas, là, c'est, en fait, ce n'est pas symétrique. Hein, hein. Vous voyez là, c'est dissymétrique à la base. La partie arrondie de la partie papier même de la foliolule, elle est dissymétrique. On voit des nervures secondaires dont on peut compter hein, le nombre. Hein, c'est dissymétrique, mais disons, on va compter en les associant deux à deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, autour de 10 paires de foliolules. Et de nervures secondaires. Ces nervures sont assez évanescentes à la partie, à la face supérieure de la feuille, tandis que c'est encore moins visible d'ailleurs à la partie inférieure de la feuille, c'est totalement translucide. On peut donner, avant de passer même aux fleurs, on peut donner aussi la longueur des pétiolules, c'est-à-dire les petites queues qui rattachent les foliolules au rachis, à l'axe central de la feuille. Eh bien, c'est l'ordre de, combien on va dire, 2 mm. Hein. C'est très court, hein, très très court. Par ailleurs, les foliolules, on voit que les bordures hein, sont découpées, légèrement découpées, on dit que c'est denté. Et la forme générale, on voit que c'est lancéolé, hein, lancéolé sous forme de lance donc, acuminé de manière progressive. Au fur et à mesure que la plante va se développer, on va voir les fleurs qui vont apparaître, hein. Sur ce jeune rameau, on voit une inflorescence qui a apparu sous forme de, on va dire carrément de bouquet terminal ici, hein, avec beaucoup de petites fleurs blanches hein, qui sont là. Et ces petites fleurs blanches, on voit hein, qui sont montées sur les tiges, hein, qui, avec un pédoncule, donc ce qui remplace, si vous voulez, le pétiole de la feuille, hein, qui est de, disons, environ de 1 cm à 1 cm et demi. C'est des petites fleurs blanches. Hein. On peut tenter de compter le nombre d'éléments de la fleur, notamment les sépales, hein, hein, ou plutôt les, parce que ce qui est vraiment très visible, ce sont les pétales. Donc ce fois ces éléments-là qui sont assez longs, hein, donc qui peuvent avoir facilement 4 mm de longueur, hein, et se sont déployés là sous forme de parapluie. On en compte combien? 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Tandis que les organes de reproduction de la fleur sont au milieu là, montés en forme de trompette qui trône au milieu. Alors je ne sais pas si en regardant à la base, en faisant un gros plan, on peut voir les éléments de sépales verdâtres. Non, ce n'est pas très visible. Mais en tout cas, au fur et à mesure que le cycle végétatif va continuer, ces fleurs-là que l'on voit, qui sont groupées là, d'abord il y a un épi principal, ensuite il y a des pédoncules secondaires qui vont porter ces éléments, ils sont 1, 2, 3, 4, 4 à 5 éléments, parfois un peu moins, hein, et l'ouverture donc de côté à côté, on voit là, si on mesure ces éléments de pétales, on voit, ça peut déployer sur 1 cm hein, d'extrémité de pétale à extrémité de pétale. Donc avec le cycle, ces fleurs vont donner de petits fruits qui sont de couleur jaune, orangée, ovoïde. Alors les fruits se présentent bien entendu en couronne aussi, hein, à l'emplacement où étaient les fleurs. On voit là un ancien emplacement de fleurs, c'est en couronne hein, à l'extrémité des rameaux. Donc on voit là les fleurs qui ont séché. Et là les fruits arrivent hein, avec... des sortes de drupes, hein, ça apparaît en grappes comme vous pouvez voir, des drupes ovoïdes. Chaque fruit étant monté sur un pédoncule de combien à peu près 2 cm de long. Et ces fruits ressemblent d'ailleurs un peu aux olives, hein, hein, sauf que bon, celui-là, la taille est peut-être un peu plus petite. Hein,
Et on peut regarder la dimension, la longueur de ces drupes, c'est à peu près 1,5 cm, 15 mm ici. Pour les plus grands, ça peut aller jusqu'à 18 mm, hein, et parfois même 20 mm sur une largeur de, on va dire, 12-13 mm. Alors, si on prend un de ces fruits, bon, on voit la couleur verdâtre ici. Quand c'est à maturité, ça devient un peu plus, jaune-orangé. Là, quand on prend, et quand on appuie là-dessus, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une pulpe assez douce qui est en bas et qui recouvre la surface d'un gros noyau. Hein, on voit là. En fait, c'est sucré, cette pulpe. D'ailleurs, il y a des gens qui consomment avec un tout petit arrière-goût amer qui est censé soigner des maux comme le paludisme, par exemple. Donc voilà, la peau fine étant enlevée, on voit une sorte de pulpe là. La pulpe là est sucrée et elle se mange. Et donc le noyau est au milieu. Et c'est ce noyau-là qu'on peut récupérer donc pour assurer la reproduction de la plante. D'ailleurs aussi, ce noyau, avec cette pulpe que vous voyez, il y a certaines personnes qui récupèrent ça et qui broient ça, hein, ensemble et font une sorte de bouillie qu'on appelle la bouillie de Nîmes, hein, que les gens utilisent comme insecticide, hein, dans certains champs. Pour combattre par exemple les mouches blanches qui s'attaquent à la tomate ou encore d'autres insectes qui détruisent les cultures mararaîchères. Alors, donc voilà, le lime est vraiment une plante d'une utilité extraordinaire. Maintenant, en ce qui concerne les noms, eh bien, par exemple au Mali, hein, disons les Bambara, ils vont appeler ça, Safourani. Safourani, hein, Safourani. Et bon, c'est à peu près la même appellation pour les Malinké. Et au Burkina Faso, les Dioula ou encore les ceux qui sont de la langue, disons, mandingue, hein, ils vont l'appeler ça. On va l'appeler là-bas Djokwadjo, ou bien Brou. Hein. Les Mossi vont l'appeler tout simplement Nîmes au Burkina Faso. Maintenant, au Togo, dans la langue Ewe, ils vont l'appeler Kinunuti, ou bien Kiniti. Tandis que en Mina, ils vont l'appeler Kiniti aussi. Et dans la langue, disons, Bassar, ils vont l'appeler Nimse. Au Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Dimibouki, ou bien Dimitoubab. Les Peuls, tout couleur, du Sénégal, vont l'appeler Kaki, ou bien Leki, ou bien encore Miliahi. Tandis que les Bambara du Sénégal vont l'appeler Go ou bien Guille. Alors, au Niger, en Djerma, on va appeler ça Turiforta ou en Hausa, Dogon Nyaro ou bien Dogon tout simplement. Tandis qu'en Guinée, hein, dans la langue Mandenka, ils vont l'appeler Kassiam Minsen ou bien Diokadio. Disons que voici, hein, en fait, l'essentiel des noms que nous avons pu glaner dans la littérature concernant cet arbre merveilleux qu'est Azadirachta indica.